Donc ce sera en français. Donc on sort ses appareils. Moi je range le mien. Vous me dites si c'est bon pour le son. Je ne sais plus, je crois que c'est Alice Hakim ce matin qui parlait de la solitude du traducteur de théâtre. Eh bien, on peut dire que la solitude de l'éditeur de théâtre est assez impressionnante aussi. Mais pourquoi on choisit du théâtre? On est fou. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Jean-Noël Jutté, qui nous fait le plaisir d'être là. Il nous a dit, on ne se connaissait pas à l'époque, il nous a dit « Mais pourquoi vous traduisez du théâtre ?» Et c'était une vraie question. Et c'est une bonne question. Ben en fait, parce qu'on aime ça, et parce qu'on a la chance, quand on traduit le théâtre, de faire des rencontres tout à fait extraordinaires de groupes, de troupes qu'on accueille, de gens qui se passionnent. Une fois que le texte est fini, on se bat pour qu'ils vivent. Et je tiens vraiment, pour commencer, à remercier la KLTI de cette formidable journée, parce que ça nous permet vraiment et là, je ne me sens pas seul, si vous voulez. En vous voyant là, on a un public. Et pour votre récompense, peut-être, il y aura une petite surprise en conclusion de mon exposé, qui n'était pas prévu et qui n'est pas dans vos textes, mais qu'on a décidé à midi. Donc voilà pourquoi. Je ne vais pas suivre tout à fait le texte que vous avez reçu. Et comme il a été très très bien traduit en coréen, je me permets de vous renvoyer pour plus de détails. Je vais reprendre l'ensemble, mais assez rapidement. Si vous voulez des détails plus précis sur la dure carrière d'éditeur de théâtre, vous pourrez vous y reporter pour les exemples. Pour vous situer assez simplement la situation, au tout début, quand nous avons commencé à traduire du théâtre, nous avons été voir les éditeurs de théâtre qui nous ont dit « Je ne veux pas de théâtre coréen ». Nous avons été voir les éditeurs spécialisés dans la littérature coréenne qui nous ont dit « Je ne veux pas de théâtre ». Il y en a un qui a ajouté « Et pourquoi pas de la poésie ?» tant qu'on y est. Bref, personne n'en voulait. Et en plus, on était un peu naïfs, mais quand même, on venait d'avoir, avec Han Yu-min, donc, avec qui je travaille depuis toujours, on venait d'avoir le prix France-Corée pour des traductions qui avaient été publiées chez, même, enfin, pas vraiment chez des vrais éditeurs, et on avait l'aide des fondations, c'est-à-dire que le livre était payé, quand même, il faut le savoir. Et bien, même comme ça, personne n'en voulait. C'est dit bon. Et puis, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, au lieu d'aller à chaque fois proposer un livre, en disant, vous ne voulez pas m'acheter, on vous la paye, prenez un livre de théâtre, je suis arrivé un peu gonflé, et j'ai dit, voilà, je vous propose une collection de théâtre coréen sur 10 ans, avec les financements des fondations, et on vous promet un livre par an et un vrai travail d'éditeur. Eh bien, ils ont dit oui. Alors, effectivement, il faut tomber sur un éditeur exceptionnel. Ce sont les éditions Imago, qui ont été fondées il y a 33 ans par un couple qui était très jeune à l'époque, couple d'étudiants qui s'appelle Thierry et Marie-Jeanne Ozas, et qui auraient dû être là à ma place pour vous parler, mais qui n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement pour des tas de raisons professionnelles. Ils ne pouvaient pas faire l'aller-retour à Séoul. Et donc, grâce à ça, j'ai la chance, je suis très content, d'être là à leur place. Et en tout cas, je les salue, bien entendu. Et eux-mêmes m'ont demandé de vous transmettre leurs plus amicales salutations. Donc, cette petite maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui a quand même publié près de 300 livres en plus de 30 ans, dont ils sont très fiers que 10 d'entre eux au moins sont publiés en coréen, ont été traduits en coréen et dans plusieurs langues. Et en fait, l'aventure était tellement folle pour eux d'avoir une collection de théâtre coréen. Ils sont très amoureux du théâtre, mais ils ne connaissent rien à la Corée, ni au théâtre coréen. Et donc c'était tellement fou que ça les a vraiment amusés. Et on est la seule collection chez eux. On est les seuls à avoir eu le droit de diriger une collection chez eux. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? L'engagement sur chaque titre. C'est-à-dire que chaque livre va être travaillé à fond. C'est des vrais éditeurs, je peux vous dire qu'ils relisent et ils relisent et ils relisent, et ils emmerdent les traducteurs, et ils exigent vraiment, les livres doivent arriver impeccables. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour travailler. Deuxièmement, une fois que chaque livre est sorti, ça nous assure la continuité de la série.
C'est-à-dire qu'on peut travailler à peu près en sans inquiétude sur, sur les années à venir. On croise les doigts, peut-être un jour on n'aura plus le soutien des fondations parce qu'ils décideront qu'il vaut mieux le cinéma ou la recherche technologique. Mais en tout cas, pour l'instant, on suit notre tableau de marche et on publie au fur et à mesure les ouvrages en créant vraiment un effet de collection. Et enfin, on a surtout l'assurance d'une bonne diffusion. Parce que même si c'est un petit éditeur, ils sont présents chez une grosse structure de diffusion sélective, si vous voulez, de qualité, qui est Flammarion, et qui nous permet une présence dans les bonnes librairies, en France bien sûr, mais même dans les pays francophones, Belgique, Suisse, Québec. Peut-être même à Monaco. Alors, quels sont les auteurs que l'on publie? Les auteurs de théâtre. On publie des auteurs contemporains, et je me suis aperçu en préparant cette conférence qu'on était vraiment sur une génération assez emblématique. Cha Pum-sok, Ikun Sam, Hogyu, Che In-hoon, No Kyung-chik, Oh Tae-seok, Yi Yeon-hwa, Lee Kang-baek. 1924, le plus âgé. 1947, date de naissance, hein, le plus vieux. On est vraiment sur cette génération qui a réinventé le théâtre coréen dans les années 70-80. La plupart d'entre eux sont toujours actifs, sont toujours vivants. On a de très bonnes relations avec les auteurs avec qui on travaille, en particulier No Kyung-chik. Et surtout, ils font un véritable théâtre coréen. Alors c'est ce qui rend difficile, je renvoie à la discussion de ce matin, c'est ce qui rend difficile de faire venir des pièces pour lesquelles les gens n'ont pas de repères. Mais je cite très souvent cette phrase de Hogyu qui dit « Plus ce sera coréen, plus ce sera universel ». Je pense que c'est très juste. Alors, je tiens aussi à saluer, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne les connais pas tous de vue, mais... les traducteurs avec qui nous travaillons, parce que Han Yumi et moi-même, nous étions promis de ne pas avoir notre collection pour nous publier nous-mêmes, comme font certains. On est ouvert et on accueille les autres. Et donc, les pionnières Cathy Rapin et Ime Yang, qui en sont l'ordre, dont le deuxième livre vient de sortir chez nous, Kim Hyun-suk, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, si elle est là, Han Kyung-mi et Patrick Pidou, Hervé Kernaleguen, va publier un ouvrage très bientôt. En attendant, la jeune génération, puisque Han Yumi est aussi professeur de coréen, cette jeune génération qu'on forme, et parmi lesquels il y a des jeunes gens vraiment très brillants, et on va peut-être avoir une première génération de vrais traducteurs français qui traduisent directement du coréen. On croise les doigts, ça peut venir. C'est très important, ça, cet aspect de l'enseignement. Je ne parle pas de traduction. On en a assez abordé, puis je suis là pour parler d'édition, donc je vais rester sur mon sujet. Jusqu'à la conclusion, en tout cas. La politique éditoriale, je vais la résumer vraiment simplement. Ces textes coréens ne sont pas faciles. C'est encore plus vrai pour le pansori, mais c'est vrai pour le théâtre. Ils supposent un contexte, ils supposent des explications, ils supposent des notes, ils supposent un appareil critique. Alors, on a distingué, on est parti d'un principe très simple, qui est la phrase un peu plaisanterie qu'on sort à chaque fois, et je dis, au théâtre, il n'y a pas de notes. Quand un comédien joue, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire note. Ici, il veut dire que, et d'ailleurs, ce souverain est un souverain du IVe siècle, etc. Bon, il n'y a pas de notes. Donc il faut que le texte qu'on publie, si on veut qu'il soit jouable, prenne le principe qu'on n'a pas besoin de notes et qu'il n'y aura pas de notes. C'est le texte. Mais alors maintenant, bien entendu, ça suppose un énorme travail sur ce qu'on va appeler le paratexte, ou le hors-texte, enfin tout ce qui n'est pas le texte littéraire, et qui sont tout ce qui nous semble, à nous traducteurs et à nous éditeurs, nécessaire au lecteur français pour comprendre, pour approfondir, comprendre, avoir des explications, ce qui nous permet d'être très fidèles, très proches du texte coréen. On n'est pas obligé de faire des adaptations parce qu'ils ne vont rien comprendre. On peut rester très proche du texte coréen, mais on fait des renvois au lecteur pour leur expliquer. Je vous donne des exemples tout bêtes. Il y a une pièce de No Kyung-chik qui traite qu'on a traduit par un pays aussi lointain que le ciel, qui parle des familles séparées. Les deux frangines
passent leur temps à parler de bouffe. Ils vont au restaurant, ah, on va manger ça, on va manger ça, ah, puis on va boire ça. Oh non, pas ça, c'est trop fort, on va boire ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on garde soju, parce que soju, on a décidé que les Français devaient connaître ce mot. Ben alors makgeolli, kimchi, oui, kimchi, on garde. Mais alors pourquoi on garde kimchi et pas kaktugi? Pourquoi on garderait ci et pas ça? Je me suis dit, bon, dans cette pièce-là, il y a un lexique gastronomique. Et ben j'ai fait une note gastronomique au début pour le lecteur en disant, voilà, note gastronomique, vous allez voir passer des plats, ils sont tous dans leur nom coréen. Voilà la liste. J'ai pas donné les recettes, mais pas loin. Et donc, voilà. Et voilà comment j'ai résolu le problème là. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit de ce que vous expliquez à Niumi ce matin. On se donne une immense liberté de choix, mais on a des principes. On a des principes, on essaye d'être vraiment rigoureux, et à partir de là, on s'amuse. Pour à la soupe, de Ikun Sam, c'est une pièce qui parle de fric tout le temps. Ils passent leur temps à parler de won, de won, de won. Je me suis dit, pour le lecteur, il y a un moment où on ne comprend plus rien. On ne sait plus ce que ça vaut, 500 000 won, 50 won, qu'est-ce que ça peut valoir. Donc j'ai fait les recherches, j'ai fait un tableau de toutes les sommes qui sont dans la pièce, et il y en a un paquet, de toutes les sommes, avec leur équivalent à peu près en francs de l'époque, pour se rendre compte, mais surtout pour se rendre compte relativement. Si une revue érotique achetée dans la ruelle vaut 50 won, qu'est-ce que c'est par rapport au prix d'un café, qu'est-ce que c'est, pour que les gens aient un peu des notions. Donc vous voyez, on s'amuse comme ça à donner des explications. Mais c'est évidemment pas la seule chose. On travaille aussi, bien sûr, avec les préfaces, les postfaces, les textes additionnels. Le Mugdoridong de Hokyu, qui est quand même une pièce pas facile. On avait une préface du professeur Alexandre Guilmoz, qui le situait dans son contexte politique. On avait un texte du metteur en scène Lee Jong-il qui nous expliquait pourquoi il montait cette pièce et pourquoi il l'amenait en France, puisqu'elle avait été jouée en France. On avait un poème témoignage de la veuve de Hogyu, très beau texte, qui expliquait la genèse de cette pièce. Et pour finir, on avait un solide travail qu'on avait fait avec Yumi pour préciser ce que c'est que ce théâtre de masque, l'importance du théâtre de masque, etc. Donc vous voyez, après, nous, traducteurs, comme on est protégé par l'éditeur qui fait son boulot, c'est-à-dire nous aussi, mais bon, on peut vraiment se libérer et donner toute sa force littéraire au texte. Je reviendrai très rapidement dessus tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait un très beau livre, alors on a une ligne graphique aussi, nous on trouve nos petits livres très mignons, ça c'est le dernier, celui qui vient de sortir, qui n'est pas encore arrivé, qui est un recueil de trois pièces de Yi Kyon-hwa, qui sont, à mon avis, à peu près incompréhensibles pour les lecteurs français. Mais on a fait un très beau travail, Cathy Rapin a fait un très beau travail de préface pour expliquer au lecteur justement que si ça lui paraît incompréhensible ou très étrange, c'est normal. Les auteurs peuvent être des gens étranges. Et que donc, c'est pas parce que « Ah, c'est coréen, je comprends rien, il y a des petits enfants pervers ». Non, 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 il y a des petits enfants pervers dans cette pièce, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo en couverture. Et il faut faire avec... Il faut considérer les textes comme des textes. Les pièces de théâtre ne sont pas des documents ethnographiques sur la Corée. Ce sont des textes d'auteurs. Et c'est comme tels qu'il faut les mettre entre les mains d'un public qu'on considère comme adulte. Et justement, une fois le texte est traduit, il faut rencontrer un public. Comment faire vivre un livre de théâtre? Alors, la seule chose qu'on sache vraiment bien faire maintenant, c'est faire des présentations de livres, en particulier au Centre culturel coréen à Paris, qui est très actif, actuellement dirigé par, on a la chance que ce soit Che Juno, qui est quand même un grand ami du théâtre, pour le moins. Et donc, on a à peu près à chaque fois, on a présenté les pièces avec des lectures jouées. On a même eu une lecture mise en espace dirigée par un metteur en scène d'une pièce de No Kyung-shik,